S'il y est un jour de célébration à Anmehol. Après avoir célébré le 99e anniversaire du prince Philippe, le mercredi 10 juin, la famille royale d'Angleterre a encore de quoi se réjouir. Ce dimanche 21 juin, le prince William fête son 38e anniversaire. Pour lui rendre hommage à l'approche du jour J, ce samedi 20 juin, le palais de Kensington a dévoilé de nouveaux clichés du duc de Cambridge, dans lesquels il est accompagné de ses trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. De tendres photos, prises plus tôt dans le mois selon le palais, signées comme toujours par Kate Middleton, photographe passionnée. Dans un premier cliché, le prince William est assis sur une balançoire dans le jardin du manoir d'Anmehol, dans le comté du Norfolk. Souriant, le prince George et la princesse Charlotte se tiennent debout, derrière et à la droite de leur papa. Fidèle à son extravagance, la fillette de 5 ans qui n'est pas près de retourner à l'école adresse un regard taquin à l'objectif de Kate Middleton et se repose légèrement sur l'épaule du duc de Cambridge. Enfin, le prince Louis a pris place sur les genoux de son père qui l'enlace tendrement. Une seconde photo, cette fois-ci révélée par le tabloïd britannique The Daily Mail et le magazine américain People, immortalise un touchant moment de complicité entre le prince William et ses trois enfants. Allongé dans l'herbe, toujours dans son jardin, le frère aîné du prince Harry est tout sourire tandis que sa fille et ses deux fils sont allongés sur son dos, tous aussi heureux que leur père. Un anniversaire loin du prince Charles, le confinement n'a fait que renforcer leur lien. Car si le prince William et Kate Middleton ont mis un point d'honneur à respecter leurs engagements en visioconférence, la duchesse de Cambridge dévoilant même de nombreux looks qui ont fait sensation, ils ont accordé autant d'importance à leur moment en famille. Le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis ont ainsi pu se découvrir une nouvelle passion, comme le révélait leur père ce vendredi 19 juin selon le Belfast Telegraph, lors d'une visite à une boulangerie familiale de King's Lynn, toujours dans le Norfolk. Les enfants ont attaqué la cuisine et s'y est eu une explosion de farine et de chocolat partout, racontait le second en ligne dans l'ordre de succession au trône britannique. Et s'il peut se réjouir d'être aux côtés de ses enfants pour son anniversaire, le prince William ne pourra certainement pas s'empêcher de garder une pensée pour son père, le prince Charles, lui qui s'est désormais réfugié à Clarence House à Londres, après un confinement en Écosse.